Bonjour, hello, I'm Menna Rawlings, I'm the British Ambassador to France. Bonjour, je suis Hélène Duchesne et je suis ambassadrice de France au Royaume-Uni depuis 4 mois et demi. That's a great question. I think if you think about the summit physically as a summit, and we start in base camp when we're beginning preparations. I think the ambassador plays the role of a mountain guide. We hold the compass, we bring everyone with us, we keep going even when things are tough, and we make things happen between our two countries through our knowledge, through our contacts, through the relationships that we build, and through our ability to bring lots of different groups and departments and subjects together. Un tel sommet ne s'était pas tenu depuis 2018. Cette année, c'est à la France de le tenir et c'est la raison pour laquelle il se tiendra à Paris. Et sa reprise témoigne de notre volonté d'approfondir notre coopération sur nos sujets d'intérêt commun et qui répondent aux attentes concrètes de nos deux pays, qui sont par exemple la défense, le climat, l'énergie, l'économie, l'immigration, la jeunesse ou encore la politique étrangère, bien sûr. La relation entre la France et le Royaume-Uni apparaît naturelle, vous la connaissez, pour deux pays voisins, inspirés par des valeurs communes, d'universalisme, de liberté, deux pays qui sont membres à la fois du G7, de l'OTAN et membres permanents du Conseil de sécurité. C'est assez dire combien nous avons à vocation à nous entendre et à nous coopérer, et ce dialogue renoué permettra d'avancer ensemble. Where do Franco-British relations stand, especially with the forthcoming visit of His Majesty King Charles III? My simple answer to that is that our relations are on the up. We're in a period of renewal. We have a new Prime Minister and a new King, and they're both visiting France within the next month. For me, that offers lots of opportunity, and it speaks to the importance of the relationship on both sides of the Channel. La jeunesse, les jeunes incarnent l'avenir de notre relation, c'est eux qui vont la porter dans les années à venir et pour longtemps. La jeunesse, elle est évidemment avide de voyages, de rencontres, d'échanges et d'ouvertures réciproques à nos deux sociétés. Et nous devons évidemment répondre à cette attente car c'est l'avenir de la proximité entre le Royaume-Uni et la France qui en dépend. En 2020, il y avait plus de 1 000 étudiants britanniques en mobilité diplômante en France et près de 14 000 étudiants venant de France en mobilité diplômante au Royaume-Uni. C'est dire si nos étudiants, notre jeunesse est imbriquée et rapprochée. The answer is there's so much that I love about this country. I love obviously the food, the wine, the culture, the language, and the people. But my favourite thing actually is the countryside and the huge diversity of the landscape in France. So from the mountains to the oceans to the rivers to the towns to the villages to the big cities, I think France has got it all. And in my job, it's a privilege to be able to live here and to explore this beautiful country, both personally and professionally. En ces 4 mois, j'ai essayé de voyager, de visiter. Je me suis rendue à Bristol, je me suis rendue à Douvres, je suis allée en Irlande du Nord, je suis allée en Écosse et j'irai très prochainement à Cardiff. J'ai essayé de rencontrer des personnes de tous les horizons, politiques, universitaires, médecins, juristes, agriculteurs, sportifs. J'ai vu des paysages magnifiques et j'ai bien conscience de la richesse de ce pays. Il faudrait plus d'une vie pour le connaître et le comprendre, mais je ferai ce que je demande mieux dans les mois qui viennent. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour le peuple britannique, pour son courage, pour son élégance, pour sa force, pour sa culture. Et au fond, je suis très heureuse de penser à tout ce qui me reste à découvrir.